Yo-Yo et le rembobinateur. Elle était trop cool, cette expo sur la nouvelle navette spatiale. Ça oui, ça doit être génial de pouvoir voler super vite. Ouh. Moi, j'ai pas besoin d'imaginer. C'est ce que je fais tout le temps. Hein? Regardez. Je rêve. Tout le monde marche à l'envers. C'est comme si on rembobinait un film. Oh, et maintenant ils sont sur pause. Attention, Sacha. Wow. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si on avait appuyé sur le bouton lecture et que tout était redevenu normal. À nous de découvrir pourquoi. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuit. Amaya devient... Bibou. Ouais. Ha. Greg devient... Bibou. Sacha devient... Yo-Yo. Voyons ce qui s'est passé juste avant notre visite du musée. Ça alors, regardez, c'est le labo de Roméo. Il est au musée en ce moment. Ah ah, il est revenu sur le lieu du crime. Allez, tout le monde au chabolide. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Pas si vite. Voyons d'abord ce que Roméo mijote avant de passer à l'action. D'accord. On peut y aller maintenant? Dans le passé. Au revoir, Pyjaminus. Ah, oh, bonjour la chatastrophe. Venez, on repart tout de suite à l'attaque. Ah ah, pas sans un plan, c'est comme ça qu'on s'est fait avoir. Pourquoi tu t'es précipité? C'est vrai, on n'avait rien préparé. Tu as foncé tête baissée et on s'est retrouvés au point de départ. Il faut qu'on reste soudés. Roméo allait s'en prendre au petit chat, il fallait bien que j'intervienne. Allez, venez.
Passe-moi des pyjaminus. C'est dégoûtant. Mes amis ne sont pas des déchets. Non, Yo-Yo, reviens. Qu'est-ce que tu fais? Yo-Yo, Ramido. Tu vas marcher, espèce de tas de ferraille. Qu'est-ce qui t'a pris? C'est pas ce que j'ai voulu dire quand j'ai parlé de rester soudés. Vous allez repartir aussi vite que vous êtes venus, Pyjaminus. Encore quelques petits réglages et mon rembobinateur sera au point. Alors adieu les pyjamasques. On fait une dernière tentative, d'accord les amis? Cette fois, ce sera la bonne. Non, ça ne sert à rien de se précipiter. Il faut réfléchir à un plan pour vaincre Roméo. Bibou a raison. C'est la première fois qu'on a affaire à un rembobino machin chose. On n'a pas le temps. S'il répare son appareil, on aura de gros ennuis. En route. Oh. Au contraire. Tu n'arrêtes pas de faire la même erreur. Encore et toujours. Il faut que tu te poses pour réfléchir à une stratégie. Impossible, je suis un fonceur. Mes pattes vont plus vite que ma tête. C'est bien ça le problème. À chaque fois que tu passes à l'action, Roméo nous renvoie en arrière. Et s'il nous renvoie à l'époque où on n'était pas encore les pyjamasques, on sera fichus. Oh, c'est vrai. Il faut vraiment qu'on s'y prenne autrement. Vous avez des suggestions, j'espère? Eh bien, voilà ce qu'on pourrait faire. Un dernier petit réglage à faire et mon rembobinateur sera prêt. Robo, je compte sur toi pour que les pyjanouilles ne me dérangent pas. À vos ordres, maître. Maître, maître, revoilà les pyjamasques. Ce n'est qu'un yo-yo. Attrape-le. Eh bien, tu peux toujours essayer. Yo-yo, acrobato. Super yo-yo va faire tourner Robo en bourrique. J'y suis presque. Il se jette sur le méchant et... voilà, voyons ce que ça donne. Raté. Oh, pauvre pyjaminet. Tu vas t'entêter encore longtemps avant de te rendre compte que tu ne fais pas le poids face à mon rembobinateur. Quand vous l'aurez réparé, maître. Comme si je ne le savais pas. Attends, je vais arranger ça. Oh, et puis à quoi bon? De toute façon, je ne peux rien faire contre cette machine. Ah, tu es beaucoup plus fort que moi. Tu trouves? Enfin, oui, c'est vrai. Ce n'est pas tous les jours facile d'être un inventeur de génie, tu sais. Glu glu reptilo camouflage. De tous les méchants qu'on a affrontés, tu es de loin le plus malin. Tu entends ça, robot? Oui, maître, mais on devrait... vous devriez finir de régler la télécommande. Cesse de m'interrompre. Continue, Yo-Yo. Qu'est-ce que tu disais? Que tu m'as vraiment épaté. C'est vrai quoi, ce rembobinateur est une arme sensationnelle. Attends un peu, tu n'es pas aussi bavard d'habitude. Ils sont où tes petits camarades? Bibou, aile de la nuit. Hein? Je suis là, maître. C'est plus rigolo et plus efficace que de foncer tel baiser. Robo, attrape ma télécommande. C'est pas trop tôt. Yo-yo, rapido. Bas les pattes. Glu-glu, attrape. Qu'est-ce qui s'est passé?
on s'est servi du rembobinateur contre toi pour te battre à ton propre jeu. Oh, cette fois, vous avez gagné, Pyjamasque. Pardon? J'ai pas entendu, tu peux répéter? Oh, cette fois, vous avez gagné, les Pyjamasques. Hein? Ça suffit, allons-nous-en, robot. Je vous promets que je reviendrai vous voir, les Pyjamasques. Peut-être bien, mais on s'occupera de toi. Pyjamasque, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les tracas! Salut les amis, vous faites quoi de beau? Hein? C'est pas vrai, ça recommence! C'était juste une blague! Là, vous m'avez bien eu! Et les papy ninjas! Yo-Yo se retrouve à affronter non pas un, mais deux super méchants! Ce soir, ils ont décidé de s'attaquer au musée, mais je suis là pour les arrêter! Oh les pattes, sorceline! Le chat de gouttière, j'en fais mon affaire! Pas question, laisse-le-moi, Ninjaka! Vous m'avez raté! Tout ça, c'est ta faute! Trop forte! Berk, je déteste les étoiles collantes! Hé! Hey, pas toucher à tes tartes! C'est moi qui l'ai attrapé le premier! Lâche-le! Ça te dit qu'on fasse équipe tous les deux? Les copains? Un petit coup de main? Une minute, Duglu! Tiens! Hé! Ha! Accroche-toi, cuisse de grenouille! Wow. C'est ce qui s'appelle être collé au plafond! Yo-Yo, il faut aider Glu-Glu. J'arrive. Vous n'êtes pas des ninjas soif, mais des ninjas zéro. Et vous là-haut, vous n'êtes que des papinouilles. De quoi j'ai l'air maintenant, hein? Heureusement que tu m'as sauvé. Tout seul, j'étais coincée. En plus, ils se moquaient de moi. Et vous me faites un croche-pied par deux sur le marché. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Vous ne m'aurez jamais, les Pyjaminus. De mieux en mieux. C'est à cause de vous que j'ai perdu, bande de papinunus. On a gagné. Oui, bien joué les amis. Je suis content qu'on ait réussi. Oh, j'y crois pas! La cour est recouverte d'étoiles collantes! Et ce n'est pas tout! Les papinis ont grignoté le drapeau de notre école! On dirait que Ninjaka et Sorceline ont encore frappé! Pourtant, on les a... pardon, vous les avez battus la nuit dernière! Et on recommencera ce soir! Mais si on y va et qu'ils se moquent encore de moi, c'était vraiment méchant! T'en fais pas, on ne les laissera pas faire! Pyjamasque, on a un nouveau défi! Les soucis, on les règle la nuit! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Ouais! Ha! Greg devient... Bibou! Sacha devient... Yo-Yo! Les Pyjamas! Vous avez vu? C'est la pagaille dans toute la ville, sur la terre et dans les airs. Je vois, c'est signé Sorceline et Ninjaka. Tous à l'Astro Hibou! À la fusée. Allons voir ça de plus près. Mille reptiles! Vous voyez ce que je vois? C'est ça. Allez-y, rigolez. Faites-nous descendre! Pourquoi? Vous n'êtes pas bien là-haut? Je pense qu'on
pas les laisser? Non! Mais au fait, comment vous vous êtes retrouvés coincés comme ça? C'est à cause d'elle! Ces Papy Nuit ont volé mes étoiles collantes! Et ces Ninja Zouaves ont volé mon aérolune et mon aimant aussi! Ils ont décidé de tous se liguer contre nous! Ça ne m'étonne pas! Après toutes les méchancetés que vous leur avez dites, ça ferait un bon film! On appellerait ça la revanche des Papy Ninja! Au lieu de rire, venez nous décoller! Allez! Hein? Oh non! C'est reparti! Vite! Décrochez-nous! Attendez un peu! Ne me dites pas qu'on va les aider! Ce sont des méchants! Ils sont contre nous! Glu-glu, on est des héros! Et les héros aident tout le monde! Oula! Ces Papy Ninja ne rigolent pas du tout! Sauf Gipper! C'est pas faux. Décrochons-les avant qu'il leur arrive un truc. Bibou, aile de la nuit. Yo-yo, rapido. Voilà, vous êtes sauvés. C'est bon maintenant? Non, les Papy Ninja ont toujours ce qu'ils nous ont volé. Ce sont vos affaires. Allez les récupérer vous-même. Non, mais attends, tu rigoles. T'as vu combien ils sont? Il a raison. Et si on ne fait rien, ils vont mettre le bazar dans toute la ville. Pour éviter ça, tous à l'astro-hibou. Attends, même ces deux-là? Oui, même deux, parce qu'on doit tous se mettre à l'abri. Il faut qu'on fasse vite, Bibou et moi d'abord. Juste derrière, Sœur Céline et Ninjaka. Glu-glu, en dernier. Vous êtes prêts? Étoiles collantes. Tes Papy Nuit ont une mauvaise influence sur mes Ninja Zouaves. Je dirais que c'est plutôt l'inverse. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils nous ridiculisent. Quoi? Oh non! Je sais que je devrais les aider, mais... Bon, d'accord. Tenez bon! Je vais vous sauver! Pour des mini-méchants, on peut dire qu'ils font des maxi-dégâts. Oh non! Hibou Vision! Oh! Ils ont accroché Ninjaka et Sœur Céline à la fusée! Par mes écailles, ces Papy Ninja ont dépassé les bornes! C'est l'heure d'être un vrai héros! Tout ça, c'est ta faute! Si tu avais mieux parlé à tes Ninja Zouaves, on n'en serait pas là! Ma faute à moi? Jamais de la vie! Tout ce que je voulais, c'était voler la fusée! Mais pas pour qu'on me mette sur orbite! Ces Papy Ninja sont allés beaucoup trop loin! Je vais vous dire, je préférais le temps où c'était eux les méchants! Ah, si seulement ils ne s'étaient pas fâchés avec les Ninja Zouaves et les Papy Nuit! Mais oui! Il suffit que Sœur Céline et Ninjaka fassent la paix avec eux et on sera débarrassés des Papy Ninja! Super idée, mais on fait comment? Il faut juste que pour une fois, ils soient sympas avec eux! Bien vu, Glu-Glu! Mais ils ne se réconcilieront jamais s'ils se font tous les deux envoyer dans l'espace! Occupez-vous de faire diversion! Moi, je libère les prisonniers! Hé, les Papy Ninja! Venez un peu par ici! Bibou, aile de la nuit! Yo-yo, rapido! À moi de jouer! Glu-glu reptile au camouflage. Quelle bande de pigeapoules mouillées! Il n'essaie même pas de nous sauver. Quoi? Ne bougez pas, je vais vous tirer de là. Glu-glu méga muscle. Mais pourquoi tu nous aides? Parce que c'est la meilleure chose à faire. Et je me disais que vous vouliez peut-être récupérer vos équipes. Très bien, mais pour ça, il va falloir être gentil avec eux, pour changer.
gentil. D'accord. Alors les papy ninjas vont prendre le pouvoir et vous allez vous retrouver tout seul. Tous sans abri. Ah, désolé, je peux pas les retenir plus longtemps. Le glumon volant. Super, Papy Nuit, espèce de ninja zozo. Tout ce qu'ils savent faire, c'est brasser de l'air. Alors que mes ninja soifs, ce sont des champions de vrais génies. Venez, venez, mes prodigieux ninja soifs, vous n'avez pas besoin de ces bestioles qui volent. Ah, d'accord, tu veux jouer à ce petit jeu. Écoutez-moi, mes magnifiques, mes merveilleux Papy Nuit. C'est vous qui êtes trop bien pour ces bons à rien. Je ne laisserai personne traiter mes ninjas de bons à rien. Ils sont doués pour tout, ce sont les meilleurs. J'ai de la chance de les avoir. Oh, regarde, ça marche. Oui, on dirait, les ninjas zouaves et les papy nuits ont l'air déboussolés. Il pleut des ninjas. C'est l'heure d'être un vrai héros. Glu glu méga muse. Et hop, allez file mon petit. Vous avez gagné pour cette fois, les pyjamasques, mais je vous préviens, j'aurai ma revanche. Merci, cuisse de grenouille. T'as vraiment été génial, Guglu. Ton plan a fonctionné. Vous aviez raison. On doit toujours aider, et même aider des méchants à se réconcilier. Pyjamasque, on crie hurrah. Cette nuit, on a réglé les tracas. Bibou et la chasse au trésor. Les enfants, alors vous êtes prêts à jouer à la chasse au trésor? Tout ce qu'il vous faut, c'est un esprit logique et une bonne vue. Amaya va être trop forte à ce jeu. Les règles sont simples. Vous devez résoudre cette liste d'énigmes et trouver le trésor. Bien, la première énigme est une devinette qui peut aller en avant ou en arrière, facilement se mouvoir, mais qui ne peut vous emmener nulle part. Un yo-yo? Ou alors, un truc qu'on trouve dans une cour de récré, comme une balançoire. Balançoire? Oui, c'est ce que je voulais dire, allons voir. Ça m'étonnerait que ce chantier fasse partie du jeu. À moins que le but du jeu soit de retrouver un bulldozer. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, désolé, on ne pourra pas jouer à la chasse au trésor aujourd'hui. Mais ce soir, on pourra découvrir qui est derrière ça. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis pour les règles de la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou. Greg devient... Sacha devient... On aura plus de chances de trouver le coupable. Tous à l'astro-hibou. Hibou vision. Oh, regardez, les ninjas soivent. Ça fait 4 heures que j'ai mis la main sur ce parchemin. Et vous, bande de zozo, vous ne m'avez toujours rien trouvé. Tu prépares encore un mauvais coup, Ninjaka. Moi? Je n'ai pas le droit d'emmener mes ninjas soif faire un petit jeu. Un jeu? Quel genre de jeu? Une chasse au trésor ninja. Une chasse au trésor ninja? Ça a l'air chouette comme jeu. Il n'est pas question qu'on joue avec ce méchant. Oui, je sais, mais je... Ce n'est pas un jeu pour vous, de toute façon. Croyez-moi. Si mes ninjas zouaves ne sont pas assez malins pour résoudre la première énigme, alors vous, les pyjaminus, vous n'avez aucune chance. Tu veux parier? Bibou, on vient de dire que... T'en fais pas. Entre la vitesse de Yo-Yo, la force de Glu-Glu et mes talents pour la haute voltige, t'as en face de toi une super équipe. De la haute voltige? Et tu crois vraiment que ça va vous suffire à résoudre 3 énigmes et trouver 3 trésors? On ne peut pas rentrer dans son jeu. Ce qu'il faut faire, c'est l'arrêter. C'est la seule façon d'y arriver. Alors, si on trouve les 3 trésors, tu arrêteras de tout casser dans la ville. Ça marche?
ça marche. Mais pour résoudre mes énigmes, je vous souhaite bon courage. À plus tard. Il ne nous l'avait jamais fait, celle-là. Concentrez-vous, on a des trésors à trouver. Énigme numéro 1. Je brille et je pousse dans l'air et l'eau. Faible est ma lueur, mais on me voit de haut. Et c'est reparti pour un casse-tête. Qu'est-ce qui aurait besoin d'eau et d'air pour pouvoir pousser? Oui, une fleur. On la trouvera peut-être en allant voir plus haut. Hop. Oh, un nénuphar qui brille dans le noir. Ouais. T'as la classe quand tu voles. Merci, c'est grâce à mon super looping. Je maîtrise bien, pas vrai? C'est marrant finalement. C'est quoi l'énigme d'après? On dirait une espèce de carte au trésor ninja. Et avec une croix pour marquer l'endroit à trouver. Il faut faire vite avant que les ninjas zouaves détruisent la ville. Heureusement que je suis là pour donner un coup de main. Ou plutôt devrais-je dire, un coup d'aile. Qui va voler vers la victoire? Moi! Du trésor. Foncez les garçons, descendez la rue principale, tournez à gauche. Tu m'as fait une de ces peurs. Alors, vous avez résolu la première énigme. C'est juste un coup de chance. Vous ne gagnerez jamais. Si seulement mes ninjas zouaves pouvaient voler. C'est bizarre, les ninjas zouaves n'ont pas l'air de se creuser la tête sur les devinettes. C'est vrai, tout ce qu'ils font c'est nous suivre. Ils essaient de tricher pour nous battre. Venez. Moi. Tu es sûre que le trésor est là? Oui, sûre et certaine. Yo-yo, rapido! Rien du tout à l'intérieur. Peut-être au sous-sol? On était là avant vous. Yo-yo, rapido! Glu-glu, méga muscle! Bingo! Youpi! Deuxième trésor trouvé! Plus qu'un! Quelle est la dernière énigme? A, B, 3, 6, c'est quoi? Un code? Non, c'est le mode d'emploi pour faire un origami. C'est comme ça que les Japonais appellent l'art du pliage en papier. Il suffit de replier la partie A sur la partie B et... voilà! Wow! C'est un dragon! J'ai ma petite idée sur l'emplacement du dernier trésor. Cap sur le musée d'histoire naturelle! Tu crois qu'il y a un dragon ici? Pourvu que ce ne soit pas en vrai. Il y a des tas d'objets qui sont exposés dans... J'ai trouvé quelque chose. Un œuf? Un œuf fossilisé. D'après la légende, ça pourrait être un œuf de dragon. Je sais pas vous, mais moi, je n'aime pas ça du tout. Qu'est-ce que Ninjaka veut faire de ses trésors? Il veut juste nous battre. Sauf qu'il est en train de perdre. Attention, ils sont venus chercher l'œuf. Bibou, tornado, pas de touche à mon trésor. On a gagné. Youpi. C'est énervant ces tours de passe-passe. Tu es jaloux de ne plus être le seul à savoir te camoufler? Donne-moi cet œuf, sac à plumes. Tu as perdu, Ninjaka. Arrête de tout casser. Rappelle des ninjas zouaves et disparaissez. Tu veux que je les appelle? Pas de soucis. Merci d'avoir trouvé les trésors à ma place. Ils ne sont pas à toi. Tu n'aurais jamais pu résoudre les énigmes. Tu ne sais même pas ce qu'est un origami. Si, je le sais. Ça a un rapport avec... les serviettes. De toute façon, vous aviez l'air tellement content de faire tout le travail. Surtout toi, sac à plumes. Et maintenant, place à ma récompense. Bien fait. C'était un piège. On avait pourtant passé un marché. C'est mon jeu. C'est moi qui fixe les règles. Au fait, qu'est-ce que tu comptes faire de ces drôles de trucs? Ce ne sont pas des trucs. Il s'agit d'un nénuphar très rare, de cette statue de singe ancestrale et d'un œuf de dragon millénaire. Le tout composant les ingrédients d'une recette traditionnelle ninja. Quoi? Pour améliorer la qualité de mes étoiles collantes. Non. Et si?
admirer le chef derrière ses fourneaux. Un pétale de nénuphar. Une pincée de coquille d'œuf. Sans oublier une larme de singe versée au clair de lune. Oh. Ding. Ça y est, c'est prêt. Vous allez vous régaler. C'est comme si on était coincé dans un bloc de plâtre. Je ne peux plus bouger. C'est si dur que mes méga muscles n'y peuvent rien. Ma pâte à plâtre est plus forte que tout. Et quand votre précieux QG en sera plein à bord, vous ne pourrez plus jamais vous en prendre à moi, Ninjaka. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Erreur. C'est vous qui ne vous tirerez jamais de là. Ne les quittez pas des yeux, Ninja Zouave. C'est ma faute. J'étais si contente de jouer à la chasse au trésor que j'ai pas vu ce que Ninjaka préparait. En même temps, qui aurait pu se douter qu'on finirait en boule de pétanque? Il faut se sortir de là. Mais comment? On est bon qu'à faire une partie de pétanque. Merci, Gluglu. Tu viens de me donner une super idée. Oh, et Ninja Zouave. Hein? Dommage pour toi, notre copain a réussi à s'échapper. Dégomme-les, Yo-Yo. Prisonnier, sortez-moi de là. Tu as été pris à ton propre jeu. Ouais. Allons remettre l'œuf de dragon et le nénuphar à leur place. Et pour la statue de singe, on n'a qu'à la garder au QG. Comme ça, on sera sûr que Ninjaka ne refera plus sa recette. Pyjamas, on crie ouah. Cette nuit, on a réglé les tracas. Prêt, les amis? Si vous cherchez le trésor d'Amaya, trouvez vos livres et c'est à cet endroit qu'il sera. Si je comprends bien, il doit être caché à l'endroit où on range nos livres. Dans nos sacs à dos. Je suis devenue fort en énigmes. Un petit cadeau pour mes PCOCT. Wow! Pitié, finis les devinettes. Mes petits coéquipiers en or, chasseurs de trésors. Ouais! Yo-Yo et la boule de flipper. Waouh! Vous vous rendez compte? À chaque fois qu'on a affronté un méchant, on l'a battu. C'est vrai ça. On arrive toujours à régler les tracas, quels qu'ils soient. Hey, on est plutôt doués pour jouer les super-héros. Carrément. Les méchants font pas le poids quand on arrive comme des boulets de canon. Le boulet en haut de la grue, il est passé où? Ça alors? Il a disparu comme par magie. Ça cache quelque chose. Allons voir ce que c'est. Pyjamas, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou. Ouais. Greg devient... Sacha devient... Yo-Yo. Les Pyjamas. Vous voyez le boulet de démolition? Non, à croire qu'il s'est volatilisé. Comment quelque chose d'aussi gros peut disparaître aussi vite? Tu as raison, il a forcément laissé une trace. Tous au chabolide. Oh, on dirait qu'on l'a retrouvé.
que soit le défi, on peut le relever. Oh, oh mais oh, j'en étais sûre. Tiens, tiens, bonsoir les pyjaminus. Oh, oui. On peut savoir pourquoi tu as volé le boulet? Tu veux parler de la boule de flipper géante? C'est mon idée géniale et cette fois vous ne pourrez pas m'arrêter. On parie? Hein? Franchement, tu devrais changer de disque au lieu de répéter toujours la même chose. C'est clair. Tu sais bien qu'à chaque fois que tu dis ça, on finit par te battre quand même. On verra si vous continuerez à faire les malins une fois que j'aurai détruit la ville en la transformant en jeu de flipper géant. Après ça, c'est vous qui perdrez la boule, bande de pyjaminus. Très drôle, maître. Toute la ville? N'aime pas peur. Un flipper géant, ça peut pas faire beaucoup de dégâts. C'est ce qu'on va voir. Et c'est parti. Hein? C'est pas un boulet de démolition qui va nous faire peur. Bibou, ralentis le boulet avec tes pouvoirs. C'est comme si c'était fait. Glu-glu, attends mon signal. Bibou Tornado! Pas très efficace, je vais recommencer. Bibou Tornado! Les copains, vous pouvez me donner un coup de main? Bibou Tornado, c'est Bibou Gros Zéro plutôt. Oh, vous me faites bien rire. Vous vous êtes surpassé, maître. Je te le fais pas dire. Cette fois, les pyjaminus n'arriveront pas à se mettre en travers de mon chemin. Ben voyons, c'est ce que tu crois? Yo-yo rapido! Yo-yo! Glu-glu déplace la statue! Glu-glu méga muscle! Tu vois, Roméo, les pyjamasques sont imbattables! Pas si vite! Roméo n'a pas encore dit son dernier mot! Hein? Ne vous en faites pas, on l'a déjà neutralisé une fois, alors pourquoi pas deux? On va gérer. Ah! Je n'en suis pas aussi sûre! J'ai l'honneur de vous présenter Boule de Flipper numéro 2! Pas de panique, on va assurer. On devrait faire deux équipes. Je parie que je suis capable de l'arrêter avec mes glu-glu méga muscles. Ok, et nous on s'occupe de l'autre boulet. Un coup d'aile sans problème. Quoi? Maintenant dépose-moi pile poil sur le boulet. Doucement. Ça va aller, je maîtrise. Voilà. Bien joué, Yo-Yo. Pendant que tu t'occupes de celui-là, je vais aller aider Glu-Glu. Maître, Yo-Yo va arrêter le boulet. Il essaie. Oh non, oh non, oh non, oh non. Des points. Glu-glu méga muse. Non, plutôt glu-glu main collante. Glu-glu. Ça va, glu-glu? Sauf que j'ai la tête qui tourne un peu. Peut-être que finalement, on n'est pas capable de relever n'importe quel défi. Hein? Ouf, il était temps que ça s'arrête. Yo-yo, hein? Attention! Bien tenté, le chat de gouttière. Mais qu'est-ce que tu dis de ça? Vous croyez
croyez pas qu'on a un peu sous-estimé Roméo? Peut-être. Mais un vrai héros ne renonce jamais. Il a envie de jouer au flipper? D'accord, mais on va y jouer à notre manière. Venez! Tenez-vous prêts pour le décollage. Paris! Oh! Si vous pensez vous envoler, vous ne risquez pas d'y arriver. Roméo se charge de vous clouer au sol. Ha! Oh! Ça va mal tourner pour nous! Au contraire, moi j'ai ma petite idée. On va le faire tourner en bourrique. Accrochez-vous! Impact dans 5, 4, 3! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Rotation maximale, Glu-Glu! Commence à m'énerver. Ouais. Sachez que j'ai plus d'une boule dans mon sac. Adieu, Pyjaminus. Glu-Glu, vas-y, refais tourner le QG. Il faut attendre que la batterie se recharge. On n'a pas le temps d'attendre. Les boulets foncent droit sur nous. Glu-Glu, passe en mode sous-marin. D'accord, Yo-Yo. Celui qui va boire la tasse, c'est Roméo. Bibou, range tes ailes. On va faire un petit plongeon. Et maintenant, top à la fusée. Décollage. Non! Robot, vite! Écarte mon labo de là. Bien, maître. Maintenant, on va montrer à ces pyjamas, as-tu vu, qu'ils ne sont pas aussi malins. Tu vas récupérer le boulet et le lancer dans les airs avec le bras télescopique. À vos ordres, maître. Si ces super Zygoto croient pouvoir m'échapper aussi facilement, ils vont tomber de très haut. Vas-y, robot! Top là. Ouf. On l'a échappé belle. Grâce à toi et à ton idée de génie. Les amis, je ne voudrais pas vous alarmer, mais il y a une boule de flipper géante qui va nous percuter. Dans 5, 4... Si t'as une autre idée géniale, ce serait le bon moment pour la dire, Yo-Yo. Glu-Glu, allume les propulseurs. Puissance maximum. Bibou, dirige-les vers le boulet. Tout de suite, ça marche. Retour à l'envoyeur. Non! Mon plan était infaillible pourtant. Ces pyjanouillons étaient plus forts que moi. Comme d'habitude. C'est pas juste. C'est pas juste. Maître. Maître. Aïe, aïe, aïe. Waouh. Il a failli nous avoir cette fois. On s'est cru imbattable et on a eu tort. On avait raison, mais sous-estimer Roméo, c'est là qu'on s'est trompé. À nous de ne pas refaire la même erreur. Moi, ce que je risque de ne pas refaire, c'est jouer au flipper. C'est trop dangereux comme jeu. Plus vite, plus vite. Pyjamasque, on crie hurrah. Cette nuit, on a réglé les tracas. Yo-Yo et le rebondisseur. On a réalisé des super figures la nuit dernière, pas vrai? C'est vrai que mon plongeon en pirouette était trop cool. Et mon numéro d'invisibilité était génial. Ça, on n'en sait rien, puisque t'étais invisible. Même si on avait vu la figure de Greg, elle n'aurait jamais été aussi cool que mon super double saut périlleux arrière. Wow. Sympa ton atterrissage. Allez, à plus. Hé, hey, tu t'es pas fait mal? Ça, c'est ce qui s'appelle une super figure. C'était pas ma faute, c'est ce truc-là. Cool! On dirait une balle rebondissante. C'est pas cool du tout, puisqu'elle m'a fait tomber. Et je vais me venger. Sacha, t'as trébuché, c'est pas grave. Celui qui a laissé traîner ça, je vais lui passer l'envie de recommencer. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit.
La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Greg devient... Sacha devient... Yo-yo! Non, maintenant il y en a partout. On n'a qu'à les suivre. D'accord, passons en mode super-héros. Fini les croche-pattes. Yo-Yo retombe toujours sur ses pattes. On sait que tu es super, inutile d'en faire tout un plat. Tous au trampoline. Elles vont dans cette direction. Admirez Yo-Yo qui met le turbo et passe en mode rapido. Rien ne peut l'arrêter. Oh. Youhou! Ouais! C'est bizarre. Les traces s'arrêtent ici. Comment ça a disparu? Hein? C'est pas possible! Pourquoi tu n'es pas intervenu? Pardon, maître. Plus un geste, Roméo! Wouhou! Ah ah! Je n'ai encore rien fait! Quelqu'un a volé ma plus grande invention! Mon super rebondisseur! Laisse-moi deviner, il fabrique des trucs rebondissants? Oui, mais pas seulement! Ça va m'aider à devenir le maître du monde! Comment ça? Eh bien, pour l'instant, je ne sais pas encore. Je me le suis fait voler! Laisse-moi faire! Je vais attraper le voleur avec mon yo-yo acrobasso! Dis donc, t'as mangé du tigre? Tant mieux si on arrête le voleur! Mais le plus important, c'est de retrouver cette invention! Et de me la rendre, évidemment! Tu ne nous as pas dit que ça devait te servir à devenir le maître du monde? Je vais me débrouiller tout seul! Regardez là-haut! Des objets rebondissants non identifiés! Ninjaka! Par mes écailles! Il transforme ses étoiles collantes en balles rebondissantes! Allez-y, les ninjas doivent! Sautez encore plus haut! Bien, maintenant qu'on a le coupable, à moi de le capturer! Pas si vite, Yo-Yo! Hein? Rends ça tout de suite, Ninjaka! Pourquoi je ferais une chose pareille? Ce serait vraiment dommage de m'en séparer alors que je ne fais que commencer. Si tu veux le rebondisseur, il va falloir commencer par m'attraper. Je vais grimper en haut de l'immeuble pour l'attraper. Et moi, je vais le repousser vers toi avec mes ailes de la nuit. Yo-Yo à la rescousse. Je vais t'attraper avec mon yo-yo rapido. Sympa ton atterrissage, Pyjaminus. Ah, te voilà. Qu'est-ce qui m'arrive? Je passe mon temps à m'emmêler les pattes. Ne t'énerve pas, Yo-Yo. Mais... je vais pas baisser les bras. Je vais leur montrer à qui ils ont affaire. Maintenant, j'ai la bande de méchants la plus insaisissable du monde. Cette fois, fini de jouer, Ninjaka. Parce que tu crois que je joue, moi? Mais Ninja Zouave ne saute pas pour le plaisir, mais pour être de meilleurs voleurs. Ils vont voler ce que je veux: du matériel de sport pour être encore plus fort, des tubes de peinture et des toiles pour faire de magnifiques portraits de leur maître. Tu parles pas sérieusement, j'espère? Le mieux, c'est quand ils auront chippé tous les numéros de Maître Fang, la bande dessinée la plus géniale de tous les temps. En piste, les bandits! Et ce ne sont pas les Pyjaminus qui vont vous attraper. Je vais leur mettre des bâtons dans les roues avec mes ailes de la nuit. Et moi, je vais ramasser toutes ces balles rebondissantes avec mes méga muscles. Glu-glu, méga muscles! Bibou Tornado! Yo-Yo à la rescousse! Pas de touche à nos bébés!
moins aussi fort qu'eux. J'en ai assez d'avoir ces trucs dans mes pattes. Hein? Et si j'utilisais le rebond de ces bidules pour faire des acrobaties encore plus haut? Ce serait la classe comme super pouvoir. Yo-yo, trampolino! Ouais! Mais tu es déjà super, Yo-Yo. T'as pas besoin de nous le montrer. Désolée, je voulais juste essayer mon nouveau pouvoir. Il est super, regardez. Ouais! Attention! Non, arrêtez! Hein? Au secours! N'aie pas peur, je vais te rattraper! Et tout ça, robot, grâce à mon rebondisseur. C'est normal, je suis un génie. Hein? C'est peut-être toi qui as inventé cet appareil, mais c'est moi qui sais m'en servir avec le plus de méchanceté. Personne n'est plus méchant que moi. Maintenant, rends-moi mon invention. Non, parce que figure-toi que moi aussi j'adore jouer les méchants. Toi un méchant? Tu n'es qu'un petit voleur. Petit? Au contraire, ma collection de bandes dessinées sera la plus grande de tous les temps. Rends-moi ça. Jamais. C'est mon invention. Reconnais-le, mes super ninjas sont imbattables. Ta bande de Rikiki Ninja ne vaincra jamais mon robot. Montre-leur, robot. À vos ordres. Maintenant, je vais passer à la phase 2 de mon plan. C'était votre plan, maître? Oui, c'était mon plan depuis le début. Et demain matin, dès que les gens vont se lever, ils sauteront partout. Plus personne ne m'empêchera de devenir le maître du monde. Heureusement que j'ai inventé ces bottes en plomb pour nous empêcher de décoller. C'est parti, et que ça saute. Prends ça et ça. Tu vois, Ninjaka, tu fais pas le quoi comme méchant. C'est moi le meilleur. Je suis encore meilleur. Je suis encore plus meilleur. Vous les entendez? Mais pour qui ils se prennent? Ils sont aussi frimeurs que toi. Tu veux absolument prouver à quel point t'es super. Alors qu'on le sait depuis longtemps. Vous avez raison. Je suis désolée. Tu veux vraiment être super? Alors fais équipe avec nous. D'accord, d'accord. C'est l'heure d'être un héros. Si on est tous ensemble, on peut y arriver. Et cette fois, je vais pas refaire la même erreur. Yo-yo, acrobation. Bibou, j'ai besoin d'un coup d'aile, vite. Lulu, attrape avec tes mains collantes. Bien joué. On a arrêté de rebondir. Yo-yo, rapido. Erreur système, erreur système, erreur système. Qu'est-ce qui m'arrive? Attention, tu vas attraper froid aux pieds. Roméo, je suis là. D'envoyer cette horrible machine faire un petit tour. Très loin dans l'espace. Mon invention. Je finirai bien par me débarrasser de vous un jour ou l'autre, les Pyjaminus. Pas si c'est moi qui arrive avant toi. C'est ce qu'on verra. C'est déjà tout vu. Tu veux parier? Tout ce que tu veux. Ils n'arriveront jamais à se mettre d'accord. Et maintenant, admirez Super Yo-Yo qui va se servir de ses super pouvoirs pour ramasser toutes ses bases en un temps record. Attends, il y en a beaucoup trop. Et elles sont toutes collantes. Finalement, je veux bien que vous me donniez un coup de main, les amis. Pyjamasque, on crie hurrah.